client. Je dors debout. Oh, moi aussi. Waouh, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime aussi. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. On y va? Politique toujours. Dame Luna Freya de Tenebrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait. Et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'inquiétude. Mais oracle je suis, et oracle je resterai. Je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'affectera nullement ma vocation. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages, comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à veiller sur chacun de vous. Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Tenebrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité? Bien sûr, une simple formalité. Un symbole de paix, comme ils disent. Alors c'est une sorte de mariage arrangé? La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective. Ça déplaît pas non plus à Nocte. T'as dit quoi, là? Je le veux? Lâche-moi. Regardez! On voit la mer! Ouais, t'as raison. C'est le quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Et derrière, c'est quoi? C'est une montagne, ça? C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche! Les gens viennent pas pour ça, mais pour leur massage, célèbre dans le monde entier. Et aussi, les crustacés. Leurs fruits de mer sont fameux. Ah bon? J'ai hâte de voir ça. Ça y est, on y est. C'est réconfortant de voir enfin des gens.
N'hésitez surtout pas à regarder. Les affaires sont les affaires. À la prochaine.
Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans mon stock? Les affaires sont les affaires. Allez, à bientôt. Bienvenue. Merci pour tout. J'espère qu'on se reverra. C'est nul. Comment je fais pour ma livraison, moi, alors? Moi, j'ai trop faim. C'est nul. Comment je fais pour ma livraison, moi, alors? Bienvenue à Galdina. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein? Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi ça? Une pièce commémorative? Hein? Sérieux? Mais non. Juste de l'argent de poche. Hein? Bon. T'es qui, toi, au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. C'est ça. Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange. Mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes. Oh, c'est délicieux. Le poisson fraîchement pêché, y a rien de mieux. Et
bien qu'il est là. Bienvenue à la mer des perles. Prêt pour passer votre commande? Nous avons une large sélection. Voilà un très bon choix. Oh, ça n'a pas l'air mauvais. Ça ne devrait pas être très dur à reproduire. Ils n'arrêtent pas de nous embêter, ces affreux. Ceux-là, ils sont vraiment terribles. Attention à ne pas vous blesser. Toujours pas de trafic. Que veux-tu? Merci pour tout. Oh, quelle poisse! Pas un bateau à l'horizon. Je comprends pas pourquoi.
Malheureusement, vous pouvez pas faire grand-chose. L'Empire a donné des ordres très clairs. Aucun navire ne doit quitter Alticia. C'est vrai que... arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Ah, en fait, je suis journaliste. Une info comme quoi le prince joue au chasseur dans sa belle auto, c'est un scoop. Vous avez de la chance. Je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, t'acceptes ? Génial ! Montre-moi ta carte. Je vous ai indiqué l'endroit où chercher. Ramenez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des gemmes. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. Refusez et la tranche du prince sera à la une des journaux. Le port est fermé. Il y a eu un problème à Alticia. Je crois qu'on va devoir rester encore une nuit. Je brûle. Dis donc, il a l'air de tout savoir sur toi, lui. Faut dire, on n'est pas spécialement discret. Même si on l'avait été, ce journaliste aurait trouvé de toute façon. Il peut nous être utile. N'en faisons pas un ennemi. Chat. Tu fais quoi, toi? Une petite balade? Eh ben alors, tu t'es perdu ou quoi? Peut-être que t'as faim, hein? Eh ben voilà, j'avais raison. Attends un peu. Je vais te trouver un truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à un chat? On lui achète une boîte? Ou alors on lui pêche un poisson? Bonne idée. On va pêcher? Bienvenue. La pêche, ça te tente? Allez, bon courage. Hé, hey, Noct, jette un coup d'œil. Quoi donc? C'est l'heure de la pêche. T'as l'air bien excité. Bon. Noct, on dirait qu'on peut pêcher ici.
Ah ouais? C'est vrai? C'est la première fois que tu as l'occasion de pêcher en dehors d'Insomnia. Je me demande quel poisson il y a ici. Ça, on le saura qu'en pêchant. Ah, c'est génial! Waouh! Bien joué, Noct. N'enroule pas ta ligne. T'es un champion. Faudrait peut-être penser à remplacer ta ligne. Let's go.
Oh. Essaie de bien sentir le poids du leurre avant de lancer ta ligne. Joli. Ah, ce serait quand même plus excitant si les poissons d'ici pouvaient résister un petit peu plus. Il va plus rester un poisson dans le coin à ce rythme-là. Waouh ! Bien joué, Enoch.
La vache, ça arrête pas de mordre! Non, ouvre pas trop la ligne! Pêche de mieux en mieux. Tu devrais changer ta ligne avant qu'elle casse. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Tiens, regarde, il est tout frais. Quoi? T'aimes pas ça, le poisson cru? Ah, t'aimes bien ça, mais seulement s'il est cuit, d'accord. Bienvenue à Galdina. Dites, vous auriez pas quelque chose qui plairait à un chat? C'est comme ça que tu dragues les filles? Hein? Quoi? Non, 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 pas du tout. Non, c'est pour le chat, là-bas. Je plaisante. Je connais bien ce matou.
Je vais voir ce que je pourrais lui préparer. Sauf que je n'ai plus de poisson. Un client vient de commander le dernier qui me restait. Dis-moi, tu penses être capable d'en pêcher un toi-même ? J'aime bien les animaux. Alors fais attention. Les chats peuvent être assez collants et difficiles pour la nourriture. C'est vrai que ce chat est un fin gourmet. Il suffit de pas grand-chose pour que les chats refusent la nourriture. Tiens, voilà, ça devrait lui plaire. Tiens, voilà pour toi. T'es pourri gâté comme ça, hein? Il a l'air de t'aimer. Visiblement. Regardez-moi ça, deux fanas de poisson. Nocte va lui apprendre à... pêcher. Essaie si ça t'intrigue. Non merci, ça m'intéresse pas du tout. Ça a l'air plutôt sympa. Alors essaie toi. J'ai pas besoin de me relaxer moi. Bah prompto alors. Bien le bonjour. À bientôt peut-être. La vue nocturne, ça me plaît bien. La lumière soit. Ok. Oh, faut y aller. Voilà. Raga. Ignis. Avec plaisir. Ton heure est venue. Le coup de grâce. Évidemment. Ignis. Maintenant, je suis prêt. Ça
j'adorais les feux de mer. Surtout de cette taille. Les gros crustacés. Ouais. C'est pour ça que les Furax. Belle performance, Nob. Merci. Tranquille. Eh ben, c'est vraiment calme ici. Ça change de l'agitation et du vacarme de la capitale. C'est pour ça que c'est dur de rester éveillé. Ah ! On est enfin arrivé. Je dors debout. Mange quelque chose avant de te coucher. Thank you.
Ouais, toujours la classe internationale. Pas la peine d'en faire une histoire. Ignis commence à me saouler, à me faire la morale. Déjà, si tu te levais plus tôt, il serait moins souvent sur ton dos. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour que tu y arrives? Je sais. Demain, on se lève à l'aube, et on part tous les deux s'entraîner sur la plage. Si t'es si sûr de toi... C'est décidé. Je veux te voir debout aux aurores. Pas de panne d'oreiller. Tu vas voir, je connais l'endroit idéal. On y va. Ouais, d'accord. Alors, c'est quoi ton entraînement? Ben, j'ai pensé qu'on pourrait profiter d'être à la plage pour courir un peu. Hein? C'est tout? Ouais, tu dis ça, mais tu feras moins le malin quand tu cracheras tes poumons. Tu vas voir, c'est super crevant de courir dans le sable. C'est un excellent exercice d'endurance. Et c'est encore mieux de bon matin. Rien de tel pour mettre la machine en marche. Et pour bien te motiver, je te propose qu'on fasse la course. La course? Mais il y a un gage à la clé. Si tu perds, tu devras t'entraîner avec moi tous les matins. T'es partant? T'es sérieux? Bon, eh ben, il n'est pas question que je perde. On va courir jusqu'à là-bas. Bon, par toi, je vais donner le départ. Allô, bar. Prêt? Partez! Oh, merde! Je croyais pas que tu serais aussi rapide que ça! Bah alors, t'as envie de perdre ou quoi? Les doigts dans le nez? Ça va, tu t'en sors pas mal. Bien joué, Noct. L'intello va halluciner quand il va devoir revenir de si bon matin au campement, avec du sable partout. Et surtout, oublie pas de te la péter quand tu passeras devant lui. C'est pour ça que tu voulais qu'on y aille aussitôt? Eh ben, je ferai pas ça tous les jours. Ouf! Remarque, le paysage est plutôt sympa au lever du soleil. Si au moins tu t'es rendu compte de ça, c'est que t'es pas totalement perdu. Bon, on va rejoindre les autres. T'as bien assuré aujourd'hui. Hé, hey, saute pas dessus, là. Tu vois, je peux quand je veux. Justement, envie de chasser.
Avec Nocte, c'est presque des vacances. Ah, Tadion ! À ton coup, on va parfait. S'il te plaît, n'oublie pas de sourire pour la photo. Je souris jamais. On y va ! Ok. Je me sens mou avec ce temps. Ouais, je suis d'accord. Quel temps splendide. Génial. Thank you.
Me sens mou avec ce temps? Absolument. Ça pourrait servir pour la peinture. Est-ce que vous êtes bien sûr qu'on se trouve au bon endroit? Si la carte durait. Allez, allons explorer ça. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a, Ines? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. La tente.